To preach,
Ou bien vous êtes pasteur. I used to tell you, my sisters, among you, katikati na bino, they will come out pastors, pasteur bako bima, prophetess, teachers, ba enseignant, so many things. From a first day, biloko mingi, limukonanga liboso. I told you that. Na yepsa kibino iloko. And then you still experiencing. So happy, my sisters. Nazana is so ndekunanga mwasi. I don't know much to say. I don't have much to say. Nazana iloko mingi te akoloba. Let me quote one verse. Me nazoka kaverse moko. Acts of the Apostles 16:16. Acts des Apôtres chapitre 16 verset 16. It says about the Paul. Ezolo bela Paul met a woman who could prophesy. A tout en étant moi si mon popo abandonne à pourquoi qui prophétiser. But he was not using the powers of Christ. Mais pour prophétiser na yeye abandonne qui pour bima na makasi ya Jésus Christ today. Now and those the prophecy used to be right. Et ma prophétie wana ezala qui paye à solo. Paul, that woman joined Paul. Moi si mon yo a kangani na ba Paul. And then she tried to work with Paul. Alinaki abandai kosa makasi asala na bango. Paul took out that spirit. Paul alongoli esprit zaki nakati. The owner of the woman, mukolo oyo azaki en charge ya mwasi wana, accused Paul. Accused Paul na Silas and Silas na Silas. And they apprehended them. E ba monaki bango. In the prison. They bakaji pamona prison. They sang. Banda chikoyeva. They prayed. Banda chikoyeva. And the one who has ease in the heaven. E oyo asali dikolo. He heard their voice. Ayokaki mamingongo na bango. And he broke all the gates. E a prisaki ba gate ba barrier nyonso. And the servant was saved. E ba serviteur na basali sauvé. Same like you. La même chose na bino. The one who will try to blackmail you. Oyo akoki komeka pona apepisa bino. The way she blackmailing you. Na ndenge ye azolinga atraite bino. She is destroying herself or himself. Azoba na ndeko komibebisa ye moko. Because the owner that owns you cannot allow her to destroy you. Oyo azali chef na yo ako permettre ye te apepisa yo. And then you will win. Amen. Yes. Wonderful moment. Thank you very much. Amen. Les actes des apôtres 16. Laisse-nous lire maintenant et continuer avec ça. Actes des apôtres 16. Amen.
Nous parlons du miracle du marché. Ils ont rencontré une dame qui prophétisait. La dame faisait des prophéties. On l'a payée pour la prophétie. C'était comme une domestique de la maison. Une domestique sous son maître. Et puis, la dame a vu Paul. L'esprit d'en elle a confirmé que ce sont les serviteurs de Dieu. Vous êtes en cours de route. Vous voyez ma sœur ici, sans toutefois être dit, l'esprit dans toi confirme. C'est un serviteur de Dieu. Laisse-moi lui rejoindre. Et puis, la maman a rejoint Paul et Sila. Lui faisait de la prophétie véridique avec l'esprit impur qui était dans elle. Et il prophétisait et la prophétie apparut. Maintenant, Paul lui a dit à la maman, moi je suis fatigué. Malgré que tu es prophétesse, malgré que tu fais de la prophétie véridique, moi je vois que l'esprit dans toi, c'est un esprit un peu. Paul a chassé l'esprit au nom de Jésus de Nazareth. Paul a dit un mot à la maman et puis l'esprit a disparu. L'esprit partait. Maintenant, la maman était délivrée. C'était la délivrance. La délivrance spirituelle. Maintenant, les maîtres maintenant, les problèmes maintenant, commencez par les maîtres. Les maîtres ont été fâchés. Qu'est-ce que les maîtres disaient? Maintenant, ces maîtres-ci, ils ne sont pas romains. Ils viennent d'une autre province. Il nous vient avec les traditions. La tradition qui va bannir la nôtre. Alléluia. Amen. Il nous vient avec la tradition, la fausse tradition. Maintenant, les maîtres ont présenté des accusations aux magistrats. Les magistrats ont étudié les dossiers. Après les titres, Paul et Sila ont été appréhendés. Ils ont été incarcérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Chasser un démon. Un serviteur. Tu chasses un démon. Après le chasser, tu finis par te casser. Tu vois les dangers maintenant ici. Ils étaient dans les prisons. Maintenant, comme le Créateur est Dieu de la mission, lui n'a pas voulu qu'il reste dans ses prisons. Les maîtres ont prié, ils ont chanté à minuit. Ils se réveillent un jour à minuit. Mon cher frère, chantons et prions le Créateur, le Dieu des armées israéliennes. Et nous serons délivrés à n'importe quoi, ni les vents viennent, ni la pluie pleuve, nous serons délivrés. Il
ils ont chanté. Les autres prisonniers le voyaient. Ils n'ont pas contribué, ils les voyaient. Ils ne se sont pas rassemblés avec, ils les voyaient. Les deux hommes chantaient et priaient. La Bible nous parle qu'il y a du tremblement de la terre. La terre est tremblée. Dès que la terre est tremblée, il y avait des secousses. Et les portes aussi se débloquaient. Alléluia. Les portes se sont débloquées. Et les deux gens étaient délivrés comme ça. Qu'est-ce que moi je vais vous dire? Nous avons un Dieu qui est des miracles. Amen. Si nous sommes miraculés, c'est parce que nous avons un Dieu des miracles. Si vous priez à lui, Jéhovah, El Shaddai, il va vous répondre d'une manière positive. À lui, il n'y a pas de négativité si vous êtes fidèle. Il nous demande de la fidélité de la sainteté. Les deux choses vont de pair. La fidélité et la sainteté. Tu es fidèle à lui et tu te sens saint. Touchons aussi les miracles apparus chez Paul, chez Pierre. Pierre aussi était arrêté, comme Paul. Pierre en prison, lui aussi priait. Comme il était membre d'un ministère quelconque, les membres du ministère aussi, comme vous ici, priaient pour Pierre aussi. Lui, il est en prison, il prie pour lui-même, et il y a aussi des autres qui prient pour lui. La Bible nous dit, il y a un ange qui est venu lui délivrer. Lui, Paul croyait que c'est division. Mais c'était un ange qui est venu encore. Ce n'est pas en vision. Ce n'est pas en rêve. Il les voyait l'ange et l'ange lui disait, partons. Alléluia. Vous partez avec un âme. Il y a un guette. Sept portes. Il vous faut quitter sept portes. À la première porte, lorsque vous arrivez là, la porte est ouverte. Jusqu'à la septième. Maintenant, Paul s'est retrouvé. Oh, je suis délivré. Oh, c'était un âme. J'étais guidé par un ange. Lui croyait que c'est une division. Mais ce n'était pas une division, c'était un ange qui partait avec lui. Lorsqu'il est allé au frère, le frère qui partageait avec la parole, Paul l'a toqué. Et puis Pierre a toqué. Et puis les gens ont attendirent la voix de Pierre. Et puis ils demandèrent, est-ce c'est Pierre ou c'est une autre personne? Il y a une membre qui est allée à la porte. Et puis il a posé la question, qui êtes-vous? Moi c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, lui est allé dire aux autres gens, si Paul est délivré,
c'est de la blague. Puisque l'incarcération que le Pierre était dans, ce n'était pas facile. Puisqu'il était arrêté par les rois Hérode. Lorsqu'ils ont vu le Pierre, tout le monde était vraiment joyeux de le voir. La punition maintenant de Dieu. Alléluia. Amen. La punition de Dieu. Dieu a infecté. A infecté la maladie à Hérode. Et Hérode mourra. Ça veut dire, nul ne peut faire la face avec un serviteur de Dieu. Moi, je le dis franchement. Et je le dis et je le répète chaque jour. Il y a des gens que nous habitons avec. Ils se croient qui est fort. Ils se croient qu'ils ont ça et ça. Non. Lorsque moi je ne parle, vous me voyez comme je suis. Mes mots sont tellement dangereux. Amen. Je peux bénir et je peux causer la malédiction. Même la mort. Soit magicien, soit éliminateur, soit franc-maçon, soit sorcier de n'importe quel degré. Même si tu as vu les Satan là qu'on parle, les Lucifer qu'on parle, les diables là qu'on parle, si tu l'as vu, fais sa fête. Mais mort peut te causer de la mort. Je peux dire voix et main. Et tu vas t'y mettre. À ce même moment, tu vas rencontrer un accident en cours de route. C'est ça. Parce que nous avons le pouvoir, nous avons la force. Chaque jour, je vous dis, ma sœur, ne dites pas des mots qui vont causer des malédictions. Vous plaquez en blaguant. Vous allez tuer. Soit pour la bénédiction, pas pour les malheurs. Votre colère, ne soyez pas colère. Votre colère peut causer les effets terribles à vos amis, à vos frères et sœurs. C'est pourquoi, si vous êtes dit, si il vous a appelé, il ne vous a pas appelé pour être étudiant, mais pour être soignant, pour être docteur, pour être modératrice, pour être médiatrice. S'il y a des querelles, jouez les rôles des médiatrices. S'il y a des